Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Dante Inferno live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Fils, à l'intérieur de cette caverne se trouvent trois autres cercles, de plus en plus étroits, tous renfermant des esprits maudits. Pourquoi et comment sont-ils emprisonnés en dessous? Le premier cercle est celui réservé aux violents. Et comme on peut faire violence à trois personnes, ce cercle est construit en trois girons. Violence envers son prochain, envers soi-même et envers Dieu. Et après ça? De tous les péchés que le ciel peut mépriser, la fraude, puisqu'elle est le mal propre à l'homme, et celui qui déplaît le plus à Dieu.
Aussi les fraudeurs, avant même les traîtres, sont au plus profond et soumis à des souffrances plus terribles encore que les autres damnés. Mais pourquoi ceux des cercles au-dessus, ceux qu'emportent la tempête et la pluie? Pourquoi ne sont-ils pas punis ici, dans la cité de feu? Les péchés de ces âmes sont ceux de la chair, considérés moins vils que les péchés de malice qui vont à l'encontre de la nature elle-même. Qui repose ici? En ce tombeau repose Anastase, jadis pape, que Photin réussit à détourner du droit chemin. J'ai pas réussi. Dieu. Hein? Ne m'enterrez pas. Pleurez-moi avec vous.
Le flége étant fleuve de sang bouillant. La violence, un péché qui inflige mort et blessure à ton prochain. Ce cercle tourmente ceux qui assassinent et qui maltraitent, ainsi que toutes les âmes qui en abîment et en méprisent d'autres. De quelle façon sont-ils punis ? Voici le fleuve de sang où sont bouillis les damnés qui ont jadis nui par la tyrannie.
Oh, faut que je jump de un à l'autre dans le tabarnak. Tabarnak! Quel est donc cet endroit ? Va-t'en, je te le dis, Dante, en tant qu'ami. Tu n'es pas prêt pour ça. Ami, jusqu'à présent, j'ai toujours été prêt pour tout ce que tu m'as présenté. Bois des suicides. Certains font parfois preuve de violence envers eux-mêmes. C'est ainsi dans ce lieu que ceux qui se sont privés eux-mêmes de leur vie se repentent en vain. Ça va, Jess? Qu'y a-t-il ici? Regarde, et tu découvriras alors des choses qui rendent mes paroles insuffisantes.
je connais parfaitement le cœur de l'empereur Frédéric. Je l'éprouve. Tabarnak! Tu devrais peut-être mettre un terme à tout ça. Ah, je l'avais. Qu'est-ce qui arrivait là? J'ai rien compris. Peut-être la plante est descendue, vous ne l'avez pas vue. Thank you.
quoi t'acharner? N'as-tu aucune pitié? Tabarnak. Mère. Non, non. Lorsqu'une âme se détache de son corps par sa propre volonté, Minos l'envoie vers le septième cercle. Ici, elle germe, poussant comme un jeune arbre, sans chair dans la douleur. Car il serait injuste qu'une âme possède ce dont elle s'est privée par sa propre faute. Ta place n'est pas ici, mère. La fièvre t'a tué. La fièvre a malheureusement eu raison de son cœur. Elle était bien trop fragile. Je méprisais la cruauté de ton père. Mais j'étais trop faible pour le défier. Alors, j'ai pris ma propre vie. Et toi? Toi, il t'a menti. Hey Jess, ça va? Merci, toi? Pardonne-moi. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? C'était ma faute. Je n'ai pas eu le courage de te protéger. Est-ce que tu sauras me pardonner? J'aurais dû. Mère, comment ai-je pu tout perdre? Les hommes peuvent changer, fils. Certains finissent tels qu'ils étaient, fidèles à leurs principes. Béatrice était tout ce que j'avais. Pourquoi l'ai-je trahi? Il est trop tard pour nous, fils. On prend ça, Jess. Nous, mais pas pour elle. On va finir ce jeu-là demain, selon moi. Absous-moi. Mon âme n'appartient qu'à toi. Tu dois sauver Béatrice. Elle est innocente. Regarde, ménage du printemps.
Hey Zéo, comment ça va? Ça va, merci. Alors comment on finit ce jeu-là demain? Violence peut être commise contre le divin lorsqu'en son cœur on le renie. La vengeance de Dieu doit être terrible, non? Les sept rois qui assiègent résident ici. Ils ne redoutaient pas sa vengeance. Viens, tâche d'éviter le sable brûlant. Reste toujours près du bois. Deux fois de ça, je les rate. Ils sont trop... Ils sont rendus durs, ceux-là. Là. Ça va au ralenti. Mais ça ira pas au ralenti tout le long. Là. Zéro encore, incroyable. Ouais, j'avoue.
Souffre pour tes péchés. Cinématique. Assez! 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 Non! Il ne nous appartient pas de décider du sort de leurs âmes. Mais quelles âmes! Nous sommes là pour les combattre! Ces êtres ne sont pas comme nous! Croisez et combattez avec moi! Faites couler le sang de ces païens! N'ayez pas peur! Leurs âmes sont déjà perdues! Pas mal, ouais. Bon, prochaine sauvegarde, ça va être le temps d'aller manger.
Salut Matador, ça va? Ah, sur ce jeu, hein. J'arrive terminé, il reste une heure. Il me reste, je le termine demain. Ici, les monstres à l'infini, c'est pour ça que je devrais... Ouais, j'avoue, super bas. Bon, enfin. Là, je joue à ça. Après, on va continuer un vieux jeu de 2000 qui s'appelle American Maggie Alice. Donc, c'est un jeu de eSport aussi. On a du Dead Space 3 plus tard. Lorsque Turbo va être connecté. Pas 3, Dead Space 2, excuse. On a terminé le 1. On a peut-être du Chrono Cross tantôt un peu encore. Troisième fleuve infernal. Quelle est la source de ces rivières? Sur l'île appelée Crète se trouve la montagne Ida, autrefois vivante, déserte à présent. Dans la pierre se dresse la silhouette imposante d'un homme âgé. Sa tête est en or fin, ses bras et sa poitrine sont faits d'argent pur. Le bronze gagne sa fourche, puis laisse place au fer, épargnant son pied droit fait de terre cuite. Ses larmes incessantes percent un passage dans la caverne.
Elles descendent de rocher en rocher à travers la vallée où elles forment l'Achéron, le Styx et ici, le Phlégéton. Et où s'en vont-elles donc ensuite ? Par un étroit canal. Déjà des boss qui est incroyable là-dedans. À ce point où l'on ne descend plus, elles forment le lac appelé Cocyte. Tu le verras de tes yeux, car je ne peux le décrire. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Dante Inferno, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!